Je vais rajouter les pruneaux là dans la marinade. En pleine démonstration culinaire, la chef grecque Dina Nicolaou présente sa manière d'adapter ses recettes avec des produits du Lot-et-Garonne. Il faut juste avoir les bons produits. Les bons produits. Les produits de saison, locaux, c'est la gastronomie de demain et c'est le thème du Festival de l'alimentation qui se déroule à Agen. Vous avez une terre agricole forte et puis vous avez une identité culinaire absolument sublime. Et c'est là qu'on s'est dit, mais Agen, c'est un terroir incroyable. Il faut le porter au régional, mais il faut le porter au national. Dans les allées du marché ce matin, les chefs sont venus les découvrir. Si on ne connaît pas les produits de la région, on ne peut pas savoir de l'histoire, de la culture et de la gastronomie. Ça commence du produit. Les produits et les producteurs, c'est la base de la cuisine. C'est vrai que c'est sucré. On a la prune qui est la star ici, on a le pâtisson qu'on connaît bien, on a les courgettes à 1 euro le kilo qui sont absolument incroyables, l'ail pressé qui est génial aussi. En fait, quand on arrive sur un marché comme ça, on a les odeurs qui sont absolument exceptionnelles. D'un coup, on les ressent, même avec le masque, ce qui est quand même incroyable. Et sur ce marché, les producteurs vendent directement leurs produits aux consommateurs. On essaye de revenir vers des vieilles variétés d'autrefois. Dans quelques temps, je produis aussi de la pêche de vigne, des brugnons de vigne comme autrefois. La gastronomie de demain, c'est s'adapter à ce que la nature, la mère nature nous donne, quand elle le donne et comment elle nous le donne. Le cuisinier, c'est un sublimeur de produits. Une gastronomie durable et raisonnée en respectant les saisons. Le Festival de l'alimentation, dont la première édition est à Genève, se terminera autour d'un dîner étoilé.